Décortiquons le système électoral américain. Le 8 novembre 2016, les Américains voteront pour élire leur président. Aux États-Unis, le suffrage est indirect, car les électeurs ne votent pas directement pour le président, mais pour des grands électeurs, désignés dans chaque État par les partis politiques, notamment les deux partis qui dominent la vie politique américaine, les Républicains et les Démocrates. Les grands électeurs sont des militants récompensés pour leur engagement. Ils forment le collège électoral. Ce sont eux qui éliront le président en donnant leur voix aux candidats de leur parti. À l'échelle du pays, le nombre total de grands électeurs est égal au nombre de sénateurs, 100, et de représentants à la Chambre des représentants, 435, auxquels on ajoute les grands électeurs du district de Columbia, qui n'est pas un État, mais en a quand même trois, soit 538. Pour qu'un candidat gagne l'élection présidentielle, il doit obtenir la majorité des voix du collège électoral, soit 270. Dans chaque État, le nombre de grands électeurs est différent. En effet, un État compte autant de grands électeurs qu'il a de représentants et de sénateurs. Le nombre de représentants d'un État dépend du nombre d'habitants et chaque État a deux sénateurs. Par exemple, la Californie, qui est l'État le plus peuplé des États-Unis, a 53 représentants à la Chambre. Le nombre de grands électeurs est donc de 53 plus 2, soit 55. Quant aux États les moins peuplés, comme le Montana ou le Wyoming, ils n'ont que 3 grands électeurs. Lorsqu'un parti arrive en tête dans un État, tous les grands électeurs de ce parti sont élus indépendamment du pourcentage de voix obtenues. C'est le système du « winner take all ». Par exemple, si les démocrates arrivent en tête dans l'Illinois avec 42% des voix, les 20 grands électeurs de l'État sont démocrates. Dans certains États, l'issue du scrutin est connue à l'avance. Par exemple, le Texas a toujours voté républicain depuis 1980, alors que l'État de New York est fidèle aux démocrates depuis 1988. Cependant, dans certains États comme la Floride, l'Ohio ou la Pennsylvanie, les deux grands partis sont très proches et la majorité peut facilement basculer d'une élection à l'autre. On les appelle des swing states. Les résultats des swing states sont donc déterminants. À l'issue du scrutin, le nouveau président ou la nouvelle présidente sera élu pour un mandat de 4 ans et prendra ses fonctions le 20 janvier 2017 à midi.